La VWFN Cup powered by Hankook, c'est une belle opportunité pour certains pilotes de faire leurs armes en sport automobile, comme le fait ici Jérôme Gérard, qui sera associé à son oncle Xavier Gérard, un habitué de la VWFN Cup depuis une dizaine d'années maintenant. Alors on va se tourner vers Xavier. Xavier, vous aviez l'envie de transmettre votre passion et de partir dans une aventure en famille? Oui, exactement. Ça fait 10 ans maintenant que je suis dans la Fun Cup avec des amis et aussi la marque McDo. Et donc Jérôme, maintenant, après 2-3 belles saisons en karting, s'est dit ben, « Ok, on attaque ensemble Tonton ». Et comme on a une écurie, toutes les conditions sont réunies pour y aller. Alors pourquoi avoir choisi la catégorie biplace pour commencer en Fun Cup? C'était pas vraiment un choix, c'était la voiture qui était inscrite ce week-end-ci et donc Jérôme était disponible et donc voilà, on commence sur la biplace, c'est relax, on part très loin derrière et pas de pression, c'est très très bien. Alors c'est l'occasion aussi de monter ensemble dans la voiture. Oui, ça on a fait aux essais, mais c'est un grand garçon et il se débrouille déjà très très bien sans moi. Alors on va se tourner maintenant vers Jérôme. Jérôme, premier week-end de course ici à Magny-Cours. Quelles sont les sensations maintenant pendant ce premier week-end? Un peu d'excitation? Bien sûr, d'excitation. Voilà, c'est la toute première course que je fais sur circuit. Magny-Cours, je ne connaissais pas. Voilà, c'est un très beau circuit et très agréable à conduire. Les sensations sont à vitesse et agréables. Et voilà, c'est vraiment super. Alors par rapport au karting que tu connais mieux, la VWFN Cup, les sensations de pilotage, beaucoup de différences? Oui quand même, enfin, on est sur d'autres vitesses et puis les freinages sont plus impressionnants, la voiture bouge plus et voilà. Alors ce week-end, quelles sont les ambitions, les petits objectifs qu'on se fixe? Rentrer à la voiture, arriver, voilà, faire des temps, améliorer tout doucement et me sentir bien dedans. Donc voilà, nous l'avons compris, l'objectif c'est de s'améliorer au fur et à mesure et surtout prendre beaucoup de plaisir sur cette numéro 361 de chez Leader Racing.